c'est une chose pour disparaître pour la neige, pour la glace. Ça ne se met à l'antidérapant, oui. Mais ça s'utilise beaucoup pour la neige, pour la glace, ça ne glisse pas. Ça glisse toujours, mais pas moins. Mais un peu moins de, les autres semelles normales, c'est pour l'été et tout comme ça. Ça, c'est même disparaître pour la neige. Comme ça, je ne m'arrête pas. Même aujourd'hui, je travaille dans le matin, à la maçonnerie, et maintenant je suis là. Donc enchaîner deux boulots, c'est difficile? Un peu, oui. J'aime bien faire autre chose, mais il n'y a pas de temps. À choisir, vous préférez quoi, maçon ou cordonnier? À choisir? Oui. Choisir, j'aime bien trois choses, mais je ne peux pas le faire tout en même temps. J'aime bien le cuisinier, par exemple. J'aime bien la maçonnerie, j'aime bien le chouchou. Alors, est-ce que vous cuisinez aussi? Aussi, pas mal. Vous travaillez dans la restauration? Je travaillais dans un restaurant avant, un peu. Maintenant, tous. Quand j'avais le temps à la maison, par exemple, c'est moi qui fais toujours à manger. Si j'avais le temps, j'aime bien faire. Super. C'est quoi votre spécialité? Ça dépend. Par exemple, on fait la morue, ça va. On est portugais, on sait comment ça marche. Ouais, c'est le plat portugais. Oui. Et c'est ce que je pense le faire. Alors, si j'arrive à faire quelque chose, je fais. Pour vous, le métier de cordonnier, est-ce que c'est une tradition familiale? Votre père était cordonnier ou non? Pas du tout, hein? Non. Mon père fait la pierre avant. C'est mon père, je crois. Mon père. Avec mon grand-père qui fait le cordonnier avant. Il avait deux boulots aussi comme moi là. Menuisier et cordonnier aussi. Alors, il fait menuisier dans la journée et après dans le final, il fait le cordonnier. Votre grand-père? Grand-père, oui.